t'a permis d'envoler nulle part, Fayou? T'as pas eu là? Rien qu'à moi. La preuve, on m'appelle Monde des Parpaillons, Edmond des Papillons. Alors, et si votre nom c'était Edmond des Crottes de Bique, elle serait aussi à vous? Dis-moi, qui c'est celui-là, l'insolent? Mon frère, mon grand frère. Eh, vous voulez pas cher tous les deux. Voleur de papillons, mauvaise graine, vous allez finir au bagne. Au bagne? C'est là où mon frère il est né. Ça m'étonne pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous fichez ici? Rien, monsieur. On était juste monté sur la colline. Quoi faire, hein? Pour voir. Hein? Pour voir ce qu'il y a derrière. Misère! Depuis que l'homme est homme, c'est son idée fixe, voir ce qu'il y a derrière. Alors, il fait la guerre, il fait les enfants, il fait des voyages, et même il se fait curer et tout ça pour voir ce qu'il y a derrière. Dis, monsieur, elles sont aussi à toi, les cigales? Elles, non. Ben, je te les laisse. Alors, tu peux les attraper? Avec ton épuisette? Ben oui. Eh ben, bon vent. Alors, Noël, t'es encore là. On voit bien que vous êtes de la ville, hein. Bon. Je vais vous enseigner la méthode. Approchez. Approchez. Voilà. La cigale, hein. C'est plus méfiante qu'un douanier. Dès qu'elle sent votre présence, elle s'arrête de chanter. Alors tu peux toujours courir pour la rattraper. Alors le secret, c'est qu'elle s'habitue à vous et qu'elle recommence à chanter. Commencez à chanter la fadade.